je suis revenu, il y a sur le lieu là, du coup, où il y a le cadavre, il y a un chacal. Et je vois pas de lion, mais après les jumelles là, il fait encore un peu sombre pour que je vois bien, mais voilà, je vois un chacal pour l'instant. Je vois un peu mieux et ça y est, et je vois que le corps, il n'y a presque plus rien. Le chacal, il est en train de gratter le peu qui reste. Donc je pense que cette nuit, il y a dû avoir du mouvement. Je sais pas si c'est d'autres lions qui sont venus ou si c'est des hyènes ou voilà, mais ça a dû bien bouger. Encore des hyènes. Et là, il y a le petit bébé. Mais je pense que cette famille d'hyènes, hier, c'est elle qui a été mangée avec la lionne. Je pense qu'ils ont été dérangés, la lionne, parce qu'ils sont vraiment pas très loin quand même. Sentir la voiture. Toutes les hyènes, toute la famille. Oh, c'est génial. Ils me suivent là, je suis la proie. Celui-là, il est énorme. Je me rapproche pas plus parce que vraiment, lui, il retourne la guive en un essai. Je me rapproche pas plus parce que lui, il retourne vraiment la voiture en un essai, mais c'est exceptionnel, franchement. Avec les défenses et tout, c'est magnifique. Oula. On s'en va, on te laisse tranquille. Oh là là, j'ai pas vu grand chose ce matin, mais la chance elle continue. Il y a un léopard juste là qui marche tranquille. Bon, décidément, ils veulent pas que. Les léopards, ils veulent pas que je. Que... J'arrive plus à parler. Ils veulent pas que je les filme pour vous. Mais alors, je peux vous dire que c'est vraiment le plus bel animal. Hein. Oh, c'est absolument magnifique. Magnifique. Vous voyez là-bas? Oh. Oh. Ah, les léopards, je pense que c'est mon animal préféré et je trouve ça magnifique, putain. Ça, c'est du coup que pour les visiteurs journée. Enfin, moi, je peux venir aussi, mais... Et t'as quand même une cuisine, t'as de quoi faire à manger, t'as même des barbecues et tout. T'as une piscine. Alors, la piscine, en revenant sur la piscine, je me suis dit ça après m'être baigné. Je me suis dit, mais c'est quand même un peu n'importe quoi d'être dans la savane et d'avoir une piscine, alors que c'est un endroit où il n'y a pas énormément d'eau. Donc, c'est agréable, mais... Faut voir comment c'est fait, je sais, je connais pas tous les tenants et aboutissants, mais c'est peut-être un peu moyen d'avoir des piscines ici quand même. Juste là, enfin moi j'en vois qu'une, mais je suppose qu'il y en a plusieurs. Donc là, ils sont en train de bien surveiller. Hop, les premiers coups doux, c'est ce que j'ai mangé hier, ça. C'était bon. Et derrière un impala toujours. L'impala, il y en a des milliards de milliards. Je pense que c'est le garde-manger de tout le parc. Thank you.
contre hippopotame. Qui dormira le mieux? Les fameux vautours. Il y en a aussi qui volent un peu là. Je le sentais, j'étais sur une petite route. Je savais que j'allais en voir un. Et là, il vient de traverser, il s'est posé juste là. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah, j'ai encore vu deux léopards aujourd'hui. Oh là là, c'est tellement beau. Je l'ai vu, j'ai vu sa queue traverser. Il me dit, putain, reste là. Et il est resté, il s'est assis carrément pour la photo. Regardez la beauté de cet animal. C'est de toute beauté. Hop, ça je crois que c'est une espèce que j'ai pas encore vue. C'est tout petit, ça ressemble au... aux impalas, mais c'est une autre espèce si je me trompe pas. Là je suis dans un petit camp un peu paumé, pas très loin de Oliphant Camp. Et j'ai été voir des gens que j'avais croisés dans l'après, mais juste derrière eux il y a une hyène qui passe. Ah bah voilà, un animal qui crie un peu comme un loup. C'était génial, aujourd'hui j'ai vu deux léopards, ça veut dire qu'en 3 jours j'ai vu 4 léopards. J'ai vu 3 lions, donc ça veut dire que j'ai plus vu de léopards que de lions. Je pense que en 3 jours, voir plus de léopards que de lions, ça doit pas arriver très souvent à des visiteurs d'ici. En espérant que je vois d'autres lions quand même. Et donc après, je vais à Satara, qui est un peu le camp le meilleur pour voir les félins, les gros chats, quoi. Et là, il m'a parlé d'une route, le gars justement avec qui j'ai parlé. Il m'a dit, cette route, faut que tu la retiennes, c'est cette route où il y a tout. Donc voilà, là, j'ai des bons plans. Je vais rester ce soir-là. Et puis en espérant que demain ça soit super. Demain je fais une marche au bord de la rivière. Ça va être cool de voir un peu différemment la savane aussi. Bon bah l'activité va peut-être être annulée parce que je suis peut-être tout seul et ils partent pas quand on est tout seul, donc à voir, mais d'un côté je suis deg, de l'autre c'est que peut-être c'est pas la meilleure activité si les gens la font pas, donc c'est peut-être pas plus mal et je vais retourner dans la brousse chercher par moi-même, mais j'aurais bien aimé marcher et tout, ça aurait été cool de voir différemment la jungle, le souci d'avoir été un peu partout dans le monde. Vous m'excuserez, la savane. La masse dans l'eau là-bas, juste au-dessus de mon doigt là, qui est dans l'eau, qui est un peu noir, c'est des dizaines d'éléphants.
Il y a des groupes aussi posés sur la plage, mais ceux qui sont en train de traverser là, c'est des éléphants. C'est impressionnant. Aux jumelles, il y a vraiment un convoi d'éléphants. Et sur la plage, il y a encore deux autres groupes. Je pense qu'en tout, il y a une cinquantaine d'éléphants. Je peux vous dire qu'il est en train de manger des épines qu'on n'aimerait pas se prendre juste dans les jambes, et lui il est en train de les manger tranquille. Bon, alors du coup je fais l'activité demain. Et là, je suis reparti donc en safari. L'objectif du jour, donc, premier jour, j'ai vu des léopards, pas de lions. Deuxième jour, des lions, pas de léopards. Troisième jour, deux léopards, pas de lions. Donc aujourd'hui, normalement, c'est le jour des lions. J'espère en voir beaucoup. Je vais aller dans une zone où normalement, c'est assez connu pour ça. J'espère voir plein de choses. Là, j'ai vu des éléphants. C'est magnifique, juste. Et j'espère que je vais voir encore plein de choses. Je pense que vraiment, je le filme jamais parce que je me dis que je suis un peu superstitieux et ça va pas marcher. Mais là, depuis tout à l'heure, depuis qu'on est dans cet endroit-là, comment sont les paysages et tout, je me dis, je vais voir un guépard. Je le sens. Et j'arrive, il y a plein de voitures et il y a un guépard. Alors, je le vois pas encore. Apparemment, il est un peu devant. J'espère qu'il y sera encore quand je vais passer. Mais en tout cas, il y a un guépard devant. Donc, j'ai des bons feelings. En fait, c'est par rapport au paysage, on voit très 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 loin, et dans les reportages que j'ai déjà vus sur la savane, tout ça, c'est souvent dans ces endroits-là qu'il y a les guépards, et bah, il y en a un. Voilà, j'ai trop hâte, j'espère qu'on va le voir. Ça y est, je le vois, trop bien, juste ici là. Oh, j'étais pas sûr d'en voir un hein, dans le séjour, c'est rare d'en voir un. Et là, il est juste là, avec les jumelles, on le voit trop bien. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau aussi, c'est hyper élancé, c'est... Ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un félin, et c'est normal, et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un félin, il y a plein de voitures en fait qui se posent, et voilà, on coupe le moteur, on attend. Et ce qui fait que hier c'était génial, c'est que quand j'ai vu le léopard, le deuxième, le premier justement il y avait du monde, le deuxième j'étais tout seul avec, genre lui et moi quoi. Et ça c'est magique quoi. Et là tout le monde s'en va parce qu'il s'est recouché, on le voit moins. Moi je vais quand même attendre parce que je vais pas voir beaucoup mieux qu'un guépard aujourd'hui, je pense en tous les cas. Et je vais voir s'il bouge après, même s'il se rapproche pas, moi avec les jumelles je vois bien, je vais voir s'il se déplace, le voir un peu en action, ça c'est tellement beau que... Voilà, je vais me poser là et je vais attendre. Il faut vraiment se rendre compte que depuis 3-4 jours, là, je suis dans un reportage animalier. Mais en réel, c'est absolument exceptionnel. Là, on ne voit rien, là. Avec les jumelles, on voit super bien. Il est tout posé comme ça, c'est avec sa tête et tout, magnifique, ses couleurs, etc. Et vraiment, je vous invite tous à venir en Afrique faire des safaris. C'est vraiment exceptionnel, exceptionnel. Thank you.
pas vu grand chose. On est retombé avec une voiture là sur le guépard. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il cherche quand même un petit peu à chasser là. Parce qu'il a l'air plus alerte que tout à l'heure quand il dormait comme un gros chat là. Là, il a l'air quand même de beaucoup plus regarder ce qui se passe. Voilà, fin de journée, c'était encore super. C'est la journée peut-être où j'ai vu le moins de choses. Ça veut tout et rien dire, j'ai vu plein de choses, mais en fait, j'ai passé énormément de temps sur le guépard. J'ai passé peut-être 45 minutes l'après-midi là, quand je l'ai revu, et le matin, je suis resté au moins une heure et demie. Donc forcément, ça a empâti sur le reste de la journée. Mais c'était encore une fois génial, les couleurs, les animaux, l'ambiance, c'est génial. Et ma mère, elle m'a envoyé un petit message, donc petite dédicace à toi, maman, où elle dit qu'elle me revoit lire mes petits livres sur la savane. Et je me rappelle, j'ai un gros livre comme ça, avec tous les animaux de la savane, et que j'ai toujours. Et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, et maintenant d'y être, c'est vraiment trop, trop bien. Demain, un lion proche. Parce que j'ai vu un jeune lion, avec une crinière pas énorme. Demain, un bon mal alpha lion, je trouve ça demain, et je le lâche pas. Je pense que demain, c'est, je le sens bien. Donc voilà, tous les jours un félin différent, des éléphants à la pelle, des zèbres, des gnous. Là, j'ai vu des petits groupes de gnous qui couraient comme dans les reportages, pareil. Enfin, c'est exceptionnel, et je suis encore plutôt vers le début, donc c'est ça qui est bien. Et demain, je fais la marche que j'ai pas faite aujourd'hui, en espérant voir plein de trucs. Dans le parc avec plus ou moins d'animaux, etc. Là ici à Olifant, bah, c'est plus les gros mammifères, donc les éléphants, les girafes, etc. Mais hier à 4h, ceux qui sont restés au camp, ils ont vu ici là, tout là, bon, on voit pas derrière les arbres, mais ici, parce que plus bas là-bas on voit, ils ont vu un léopard passer, sauter des roches en roches, machin, enfin magnifique. Donc moi j'ai vu aussi un lion chassé dans le nord, enfin bref, il y a des zones un peu prédisposées, on va dire, mais tu peux voir vraiment tout et partout, et c'est juste un peu la chance, voir les animaux et sentir le truc, quoi. Bon, bah, je suis encore tout seul aujourd'hui. Les fusils sont prêts, parce que les rangers, ils ont quand même des fusils, on n'est pas n'importe où quand même. Et on va y aller.
Hop, j'ai fini la marche River Roar. C'était sympa. Après, franchement, je suis pas tombé sur les meilleurs guides, je pense. Ils étaient pas non plus à fond en ce qu'ils faisaient, j'ai trouvé. Même si moi, voilà, on a vu que des hippos, on a vu des traces de lions. Donc ça, c'est quand même stylé. Et après, waouh, wow, j'ai pas vu ce là. Et après, on a comment ? On a vu des traces de lions et on a vu après un gros petit hippopotame, donc j'ai jamais été aussi proche. Puis là en plus on était à pied, hein, donc c'était quand même plus intense. Et du coup ça c'était super. Après ouais, les guides, franchement, c'est pas l'activité que je recommande le plus, je pense. Je pense que les activités que je vais faire plus tard vont être mieux. Et là du coup je rejoins Satara Camp, qui est un peu le meilleur camp pour tout ce qui est gros chat, si vous voyez ce que je veux dire. C'est là hier, que c'est vers ici, c'est vers là-bas, pardon, je vais y arriver, que j'ai vu le guépard hier. Donc là, je vais reprendre les deux pistes autour, là, qui sont vraiment propices normalement à voir des félins. Et puis voilà, hein, tout simplement. Aujourd'hui, je vous ai commandé un lion, donc on va voir un lion aujourd'hui. Voilà, je l'ai commandé, je l'ai appelé, normalement, il arrive vers... dans une petite heure, il arrive, donc je vous tiens au courant. Faut quand même remettre dans le contexte aussi que j'ai quand même beaucoup de chance, dans le sens où j'ai parlé avec des gens ce matin, ça fait trois fois, des Sud-Africains, ça fait trois fois qu'ils viennent au parc Kruger dans leur vie, quoi, et ils restent longtemps, genre plusieurs semaines à chaque fois. Ils ont jamais vu de guépard. Moi ça fait trois jours, hier ça faisait trois jours, j'ai déjà vu un guépard. Donc j'ai vu quatre léopards, une chasse de lion, un guépard. Je suis quand même très chanceux. Plus est dans des zones où c'est pas propice à ça normalement. Enfin, le guépard, si, mais le lion qui, enfin, la lionne qui chasse, c'était dans le nord. Les deux autres lions que j'ai vus, c'était dans le nord aussi. Les quatre léopards que j'ai vus, pareil, dans le nord. Donc, je suis pas mal. Franchement, je suis pas mal. Ce qui est bien, c'est que tous les jours, du coup, je. Mais voilà, si je vois rien un jour ou quoi, ben c'est le show aussi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que t'es jamais sûr de rien voir. Mais voilà, aujourd'hui je vous ai dit lion, il y aura un lion. Voilà. Qui veut aller se baigner? Encore un guépard, sûrement le même qu'hier en vrai, je sais pas. Il est juste là, vous voyez. Il est juste derrière là, il a traversé. Ah bah voilà, il bouge. On l'a vu vraiment proche en entier et tout, c'est magnifique. Comment il se déplace, c'est vraiment joli à voir, c'est esthétique, c'est vraiment un super animal. Je vous jure, quand il a traversé, il y avait des voitures et tout, mais on l'a bien vu, parfait, élancé et tout, c'est magnifique. Ça, il y a des panneaux pour cet oiseau, comme quoi il est super rare, et si on le voit, on doit le dire carrément. Là, il y en a deux. Bon, ben. Là, je suis heureux sur la piste. C'était du bruit. Je suis encore sur la piste donc qu'on m'a conseillé, qui est censée être propice à la vision des gros chats. Je vois encore rien, hein, comme hier. C'est un peu la même journée qu'hier. Hein. Je suis parti du camp assez tard. J'ai vu le guépard. Je sais pas si c'était le même parce qu'honnêtement, il n'était pas au même endroit, pas dans la même direction. C'est peut-être un autre. Hein. Franchement, je saurais pas dire. En tout cas, c'était magnifique. Et là il bougeait donc j'ai pas eu besoin d'attendre longtemps. Et là je suis sur la même piste qu'hier, mais franchement je vois rien quoi. Et j'ai vu, en fait le truc c'est, je dis ça parce que j'ai vu des voitures passer dans l'autre sens. Et généralement quand tu vois quelque chose tu le dis, tu vois. Le guépard là, il y a quelqu'un qui est passé qui nous l'a dit, etc. Et là ils se sont même pas arrêtés, ils ont rien dit. Donc je pense qu'ils ont rien vu de spécial. Donc ça fait deux fois que je l'apprends, deux fois que je vois rien. La journée est déjà amplement réussie, hein. J'ai rien besoin de plus. Mais du coup pour le lion, mais c'est ce que je vous avais dit, je le sentais le guépard et je sentais le léopard hier et avant-hier. Et j'ai pas fait de vidéo et je les ai vus. Et là je vous ai dit j'ai peur parce que si je fais une vidéo je verrai pas. Là je vous ai fait une vidéo, bah voilà, je vois pas. C'est comme ça. Après il reste du temps mais je sais pas.
Là, je peux pas redémarrer direct, quoi. C'est une frein en main. Pied gros, c'est marrant. De partir là. C'est bon, il s'en va. Parce que là, s'il décide de s'énerver et moi je démarre, ça l'énerve encore plus. C'est bon. Mais c'est énorme. Celui-là, il est énorme. Il est fat. Vraiment que je vais jouer au loto parce que je vois encore un guépard. Ça fait 3 guépards en 2 jours. Alors qu'il y en a qui ont 3 fois au parc Kruger en ont jamais vu. Voilà, il est caché. Comme par hasard, quand je dis ça, il... Ah, ça y est, il réapparaît. Vous le voyez là? Bon, on le voit bien là. J'espère qu'il va se rapprocher. Puis ça, c'est clairement avec le léopard, mon animal préféré. La... Je sais pas, l'esthétisme, la couleur, tout ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment les plus beaux animaux. Je peux vous dire que... Oh putain de merde. Putain de merde. Il s'est posé sur le tronc là. Oh là là, putain de rêve. Mais c'est génial, putain. C'est génial. C'est génial. Thank you.
Ah, j'ai même pas de mots. Franchement, j'ai même pas de mots tellement c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Là, quand je regarde avec les jumelles et que vous avez vu, de toute façon, c'est une putain de carte postale. C'est une carte postale. Genre les cartes postales que je vois dans les magasins là, c'est exactement ce genre de photos. C'est exceptionnel. Oh.